Ah, c'est une perte de balle. Mais le jeu qui se poursuit. Ouais, il y a avantage, c'est bien arbitré. Oh, la mauvaise passe, et la frappe. Oh oui, c'est dedans! Une frappe absolument remarquable qui termine sa course dans la lucarne. Les puristes, ils vont apprécier ce ralenti, Pierre. Ah, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de... Terme. Ah, il est à la récupération au milieu de terrain. Ah, un bon ballon d'attaque. Payet. Et le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe en toute fin de match. C'est le réalisateur qui nous remontre ce qui sera peut-être le but de la victoire. On ne veut pas leur porter l'œil, Hervé, mais ils sont quand même... L'ouverture et de prendre la frappe. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ouais, la tête avec un tir. Et c'est un but! Il passe devant au score! C'est donc l'ouverture. Payet. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. Ah, le bon ballon de contre. Payet. Il travaille bien son ballon et il marque en finale. Payet. On est dans une phase de conservation de balle avec un tir. Et le but, l'ouverture du score dans ce match, 1-0. Le gardien qui pensait peut-être être sauvé par sa barre. Finalement du côté du tireur. Payet. On n'a pas de carton jaune, l'arbitre veut calmer le jeu. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et le but, magnifique! Ouais, c'est bien arbitré. Et ce ballon est intercepté. Ouais, on passe par les côtés. Payet. Ah, ça va rentrer, ça y est. Ah, superbe frappe sous la barre, dans la lucarne, le gardien qui ne pouvait rien faire. Et c'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé ?